Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais très très envie de repartir souffrir sur Sekiro, Shadow Die Twice. On va pouvoir remettre la caméra à sa juste place. Tac, tac. Voilà, ici c'est bien plus mieux. Voilà, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Prenez une boisson agréable de votre choix. Et on est parti sur Sekiro. C'est marrant, les jeux FromSoft, c'est vraiment toujours la même chose. C'est dur, mais on a envie d'y revenir. Allez, on est bon. Le jeu va sur son mode hors ligne. Curieux ça. Je suis quand même bien en ligne. Connexion. Impossible de connecter au réseau. Enfin. Et ça dit que ceci. On va quitter, on va relancer parce que. Ça me paraît curieux que je ne puisse pas me connecter au réseau. Alors que. Si vous me voyez dans le chat, c'est que de facto, je suis connecté. Je relance, on verra bien. Ah, j'avais pas tiqué que c'était Activision. Alors, est-ce que ça va aller cette fois-ci ? Impossible de se connecter. Enfin. C'est assez curieux. Bon, ben, c'est pas grave, on va continuer quand même. Après tout, on n'est pas là pour l'expérience multi. Donc, il semblerait que j'arrive pas à me connecter. Voilà. Bon. Je vais baisser un peu le son pour moi. Voilà. Alors, il y a un autre loup, normalement. Je crois que j'ai vu le curseur tomber. Je crois que le loup est tombé. Bon, c'est pas grave. On va aller s'occuper du monsieur là-bas. Avec sa première sphère de... Je crois qu'on a été repéré. Bon, tant pis. Tant pis, ça va aller. Allez, plus chaud patate, ça va aller. J'ai voulu le taper avec la touche X, je sais pas pourquoi. Allez. Réattaquer. Allez, allez, ça va aller. Ça va aller. Un petit peu d'eau et ça va aller. Première mort, on est à 13 minutes de live, sans compter les 10 minutes d'attente, donc on a 3 minutes de live, première mort. Allez, on y croit. C'était rapide. Bon allez, on reprend en main, on se concentre, ça va aller. Bon. Le loulou. Son pote cette fois, il est venu. Ah, il a appelé l'autre en aboyant.
Mais non. Ça a l'air d'aller. Bon. On va quand même essayer de lui enlever une vie en l'attaquant par-dessus. Je crois qu'il y a moyen. Hein. Voilà. Il a déjà une vie en moins. C'est déjà ça de gagner. Ouh là là. Je ne sais plus comment je fais pour les katanas. C'est comme ça, non ? Non. Mais enfin ! Crétinus. C'est comme dans mon souvenir, c'est toujours aussi dur. Allez. Pas de raison. Le loulou. Tiens, l'autre n'est pas venu. Bon, ça a rien d'aller le tuer. On va aller buter l'autre. On n'est pas obligé de le buter, hein, mais j'ai vraiment envie de réussir ce combat. Je me dis, si je réussis pas ce combat, ça sert même à rien d'essayer de faire le reste du jeu. Hein. Oh là là. J'étais presque. Mais les combats sont intéressants, hein. Ils sont palpitants. Ça y est, je l'ai eu. À la bourrin, mais je l'ai eu. Perle de chapelet. Une perle de chapelet, en offrir 4 à une idole du sculpteur, permet d'augmenter la vitalité et la posture maximale. Lui possède actuellement une perle de chapelet. Graine de gourde. Ah, ça y est. Ah bah ça valait la peine de me lutter du coup. Une graine d'où les eaux de guérison coulent continuellement. Emma peut l'utiliser pour augmenter les utilisations maximum de la gourde médicinale. La puissance... J'ai l'impression que ça va un peu fort pour vous la voix. Je vais baisser un chouïa. La puissance de la graine fut découverte par l'extraordinaire Dogen et son apprenti Emma alors qu'ils travaillaient sur la gourde d'eau médicinale, un objet d'Ashina utilisé depuis longtemps. Ça c'est cool. Du coup, je vais aller directement. C'est un gentil poulet ou un méchant poulet ? Ça avait l'air d'être un méchant poulet. C'est ici, non ? Ouais, c'est ici. On va aller donner la graine de gourde. Important. Temple en ruine.
J'ai une graine de gourde, ma chère Emma. As-tu vu le sculpteur récemment ? Oui. Tout ce que je sais, c'est ce que Dogen m'a dit il y a longtemps. L'héritage du dragon peut octroyer le pouvoir de résurrection. Mais ce n'est pas un pouvoir ordinaire. Utilisé de façon répétée, il provoque une stagnation qui à terme atteint un seuil de débordement. Et cela provoque une maladie chez ceux qui n'ont pas le pouvoir. Une maladie qu'on appelle la peste du dragon. Il en savait long sur le sujet, mais il a tout de même échoué à trouver un remède. Pardonne-moi. Existe-t-il un moyen de soigner la peste du dragon ? Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas, mais il faut y mettre un terme. Je ne suis pas sûre, mais la première chose à faire consiste à étudier les recherches de mon mentor, pour voir si je peux trouver un moyen. Merci. C'est ça, des graines de gourde ? Oui. Apporte-moi ça. Mets les graines dans la gourde. Ah. Parfait. Maintenant, tu auras plus d'eau médicinale dans la gourde. Ça veut dire que ouais, je peux l'utiliser plus de fois. Ça, c'est chouette. Quel étrange remède. Étrange ? Je ne me vexerai pas de ta remarque. Mais si ça fonctionne, c'est une bonne chose. Que ce soit étrange ou pas. C'est ce que mon mentor Dogen m'a appris. Je vois. Pense à m'apporter les autres graines de gourde que tu trouveras. Je pourrais encore augmenter le volume d'eau médicinale. Étant donné qu'on peut les dropper sur les... Je crois que j'en ai plus. Hein. Étant donné qu'on peut les dropper sur les mobs, il vaut mieux tataner les mobs, même les plus costauds. Est-ce que le mob en question là est toujours là ou pas ? Ça c'est la question. À mon avis, il est plus là. C'est un mob one shot, parce qu'il me semble avoir lu ou entendu quelque part que certains mobs ne repopaient pas. Eh ben, ah, il est là, lui. Bon, on va voir tout de suite. Non, il est plus là. Il est plus là, il est plus là, il est plus là. Descendre. J'ai jamais utilisé les cendres. C'est plus ce que ça fait. On va aller voir quand même. Cendres durcies ensemble et jeter sur l'ennemi pour le distraire temporairement. C'est vrai que ça pourrait être utile en combat. C'est pas que je... que j'utilise. Et ça... Pour l'utiliser, c'est quoi déjà ? C'est Y. En Y, c'est pour changer. Pour l'utiliser, c'est... À mon avis, c'est ça. Oui, c'est ça. R2. Enfin... RT, pardon. Mais sur manette Xbox. Je crois que le mieux c'est d'essayer de faire le max de dégâts du fût. On s'est malheureux de faire ça à cause des loups, mais... Est-ce que je peux sauter et utiliser le bazar ? Je crois que je l'ai utilisé qu'une fois que j'étais à terre. Petite bourse, une petite bourse contenant une petite quantité de scènes. Elle peut être utilisée pour obtenir les scènes qu'elle contient. Le poids de cette bourse est assez satisfaisant. Les scènes contenues dans cette bourse ne sont pas perdues en cas de mort. Ah, c'est pas mal. On deux là-bas. On va essayer de ne pas devoir affronter... plus d'un mec à la fois. Je crois que j'en ai réveillé 12. Tuer les coqs avant qu'ils chantent.
Ok. Alors là, il y a un mec. Il y en a un deuxième. Ils sont par deux, c'est embêtant. Surtout s'ils sont plus que deux dans la zone. Là, il y en a un qui a l'air un peu seul de temps en temps, là-bas. Ouais, ils sont trois là-bas, en fait. J'essaie d'avoir celui qui est tout seul là-bas. Évidemment, il est plus seul, mais il va le redevenir à mon avis. Faut juste être patient. Faut juste être patient. Là, ils sont trois. Après, il y avait le coup des poteries aussi que je pouvais... Ah non, je les ai pas ici, les poteries. Éclat de porcelaine, c'est ça. Ça permet de... de les attirer dans un endroit où on veut les attirer, du coup. Non, c'était une erreur. Une simple erreur de touche à la con. Il m'a toujours vu. J'ai l'impression qu'il est seul. Pour les autres. Ah, il y en a un là, non? Il y en a un là. Oh, ils sont la patrouille est justement là. Heureusement qu'on est vraiment invisible dans les herbes à l'œil. Aller tuer le mec là-bas. Ouf. Ça s'est moins bien passé que je ne le pensais. Mais non. Ah, il y a peut-être des escaliers. Non, pas du tout. Absolument pas. Mais on peut se barrer. Et là, ils nous poursuivent plus en fait déjà. Ah si, un peu. Je pense qu'ils nous poursuivent plus. Hello Ninurta, ça roule ? Ils sont en train de découvrir les joies de Sekiro. Ouh ! J'avais pas vu le monsieur tout nu avec une masse. Par contre, celui qui est là-bas tout seul, je crois que j'ai moyen de me le faire. Ouais, je vais bien, super. Ça va super. Et toi, ça roule ?
Ah merde, il est parti. Il était tout seul, il est parti. Bon, lui, tout seul, est-ce que j'ai moyen de me le faire? Évidemment, il y a un autre mec là. Bon, je vais essayer de me le faire. Pourquoi j'ai pas le truc rouge? Ah voilà. Mais non! Il fait mal. Il fait très très mal. Moi je m'en vais. Ils sont deux, je m'en vais. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, je suis au tout début de l'aventure. Et je ne maîtrise pas encore très très bien le gameplay. Je le trouve d'une certaine manière beaucoup plus technique que Dark Souls. Et je me fais casser le huc. Oui, je me fais complètement casser le huc. C'est un doux euphémisme. Plus facile apparemment que DS. Ah bon ? Qui a dit ça ? Que celui qui a dit ça a déjà joué à DS ? J'ai fini Dark Souls 1, j'ai fini Dark Souls 2, sur le point de finir Dark Souls 3. Je trouve qu'il est, de la petite expérience que j'ai là, de tout début de jeu, je le trouve plus technique, moi, au niveau des combats que Dark Souls. Qu'est-ce qu'il m'a vu? Ah, c'est lui là-bas. Ils vont se ramener à 1000, non? Pas l'impression. Que j'irai le choper. J'irai le choper. Hein. Bon bah lui au moins il m'embêtera plus. Éclat de porcelaine. Bon bah lui il est un peu con avec son gros marteau. Ah comment on fait pour les sous? C'est comme ça. Ouais. J'avoue oublier. Bon après. Contrairement à Dark Souls, c'est un peu plus facile de se planquer et de faire une petite retraite stratégique au moment opportun, comme tu peux le voir. En gros, dès que ça va pas, ben, tu te barres, ça va assez vite et on t'oublie. De ce côté-là, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Par contre, les combats en eux-mêmes, franchement, je trouve qu'ils sont assez techniques. Je pourrais pas le buter quand il est entouré d'autres mecs. Faut que j'arrive à les buter un par un. Alors, au moins il y aura plus le mec sur son mirador avec son mousquet là pour donner l'alarme, c'est déjà ça. Peut-être que je peux lui faire un coup critique d'ici. Non. C'est un non, c'est un non.
Évidemment, il se ramène à 12. Les sous-sous dans la popoche. Aïe aïe aïe. J'avais pas vu qu'il avait autant de portée celui-là. Bon bah c'est un échec. Non, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Tout tout. Allez. Mais c'est bizarre que, vu du dessus avec le gros, j'ai pas eu le point rouge que j'ai eu ici avec le loup. Une attaque sautée là. J'essaie de... Après voilà, il est, je le trouve beau, je le trouve fluide. Et malgré les tatanes que je me prends en répétition, j'y prends du plaisir. Donc, il compte après tout. Ouais. Peut-être essayer d'aller dans la maison, buter le mec avec la... Je vais essayer d'aller par un autre endroit. Je suis planqué. On peut peut-être monter dans la maison par ici. Par contre, ressusciter, tu t'imagines bien que ça a des conséquences. Oui, oui, on m'a dit. Je sais pas exactement très bien quelles sont ses conséquences, mais... Du coup, il vaut mieux que j'évite de ressusciter. Je me laisse mourir, en fait. C'est mourir qui a des conséquences ou ressusciter ? Essayer de ne plus ressusciter. Mais non. C'est mieux passé que la dernière fois. Ouh là, super. Ouais, ils sont un peu trop nombreux là. Heureusement, ils sont pas hyper réactifs. Mais non. Allez, pourquoi je peux pas? Voilà. Ah, il y a un objet ici. Des boulettes. Ok, je vais essayer de ne plus ressusciter. Histoire de ne pas avoir trop de conséquences néfastes. Par la suite. Ouais, j'ai pas le truc rouge. Ah voilà. Faut vraiment être tout près pour avoir le point rouge. Qui m'a tiré dessus. Oui, ils ont pas l'air alarmés. Aïe. Où est-ce qu'il est? Il est là. On va boire un petit coup d'eau. Ça va bien se passer. Un autre petit coup d'eau. Ok, il était là-bas. Mais la mobilité est bien plus accrue que dans un Dark Souls. Et c'est pas pour me déplaire au niveau des maps et tout, c'est assez sympa d'aller se mettre en hauteur, de... T'es un ninja en même temps. Ah, shinobi.
avec comment on appelle ça ? Je dis un automate, mais c'est pas ça. Une prothèse shinobi, où je peux mettre des accessoires shinobi. Mais j'ai un ninja qui se trimballe comme un pépé, bah ouais. Maintenant qu'il y a plus... Je crois que j'ai buté le mec dans la maison, donc je peux aller buter le mec en haut là-bas. Ah, déjà ça. J'allais buter le mec en haut là-bas, il est tout seul. Je crois qu'il doit pas être trop compliqué. Je me demande s'il y a pas moyen de sauter directement jusqu'à lui. On va voir. C'est pas comme ça que je voulais que ça se passe, mais... Ça a fonctionné. Je voulais directement avoir le coup mortel en arrivant. Bon, voilà un autre garde. Il a pas l'air... Il a pas l'air accompagné s'il y a un deuxième, c'est les trois. Hein. La bande à Basile. Je crois que je vais essayer d'en choper un par-dessus et les deux autres, je vais les affronter. À mon avis, c'est ce que j'ai de mieux à faire. Et évidemment, ça n'a pas été. Ah si ! J'ai réussi à en avoir un, c'est déjà ça. Oula, y'a le gros. Y'a le gros qui est là. Je vais prendre des boulettes, tiens. Des boulettes. Le gros, une fois qu'il sera tout seul, ça ira. Hein. Mais oh, une fois qu'il sera tout seul, j'ai dit. Le problème c'est que j'ai plus d'eau, je crois que je vais aller au point de sauvegarde. Je vais réessayer de moi-même sans mourir parce que là, j'ai pas envie d'user toutes mes boulettes. Ouais, l'eau c'est là. Enfin. Je peux reposer. Il y a des boss bien entendu aussi. Oui, mais je crois que j'en ai pas encore rencontré. Je sens que ça va m'amuser les boss. Allez, c'est reparti. Après, c'est pour ça qu'on y joue aussi, hein. C'est pas pour avoir un jeu trop facile. Pour avoir un jeu qu'il faut apprendre et apprivoiser. À propos de nouveaux jeux à apprendre et apprivoiser, il faut que je me mette sérieusement à Age of 4. Avec plaisir pour le découvrir avec toi. Moi j'ai juste fait la campagne normande, je suis aux trois quarts de la campagne mongole. J'ai fait un petit peu de multi, mais très très peu, pour voir un peu le PVP. J'étais rassuré de voir que les bonus de campagne n'étaient pas les mêmes en PVP, parce que le bonus des mongols dans leur campagne de pillage est juste abusé. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas équilibré, et en fait il est nerfé, enfin il est buffé en campagne ou nerfé en PVP, mais donc c'est... Ah ben voilà, j'ai qu'à attendre qu'il passe pour le choper lui. J'attends qu'il repasse et puis je le chope, nickel. Faut aussi essayer d'aller dans la maison là-bas direct pour le mec avec la... Avec le fusil. Mousquet, le trait à poudre. Si je vais là-haut, ils vont me voir. Ouais, mais les Mongols restent top tier en 1v1. Ah ouais ? À cause de ce bonus de piège. Et les Francs aussi.
Ok. Pas beaucoup joué les francs. Quasiment pas du tout en fait. J'ai juste joué les anglais avec la campagne normande et les... Et le Réco une tuerie. Et les fameux Mangoudaï. Bah oui, les Mangoudaï, le fait qu'ils tirent alors qu'ils sont en mouvement et que tu peux faire du hit and run sans t'arrêter. C'est-à-dire c'est pas hit and run, c'est hit and run en continu quoi. C'est, bon après c'est histo hein, par rapport aux Mongols, mais c'est vrai que c'est terrible ça. C'est vraiment terrible. Ils vont taper la causette longtemps, ça déjà. Je les soft counter avec des archers. Ah ouais? C'est vrai que les archers de base ne coûtent pas d'or, donc finalement, c'est un peu les tirailleurs de Age of 4, quoi. Espionner. Cette bataille, tu penses qu'on peut la gagner? J'ai peur qu'on ne l'emporte pas. Quoi? Ça va très bien se passer. Bon. Ishin est peut-être malade, mais il est toujours très fort. Et Genichiro est terrifiant avec un arc. Et en plus, on a le démon Gyobu. Ah, Gyobu, bien sûr. Bien vu, tant qu'il est avec nous, aucun homme ne peut franchir la porte du château Ashina. Je sens que je vais devoir l'affronter, ce fameux démon. Gyobu. Bon, maintenant qu'ils ont fini de parler, peut-être qu'il va revenir l'autre. Moi je verrai bien un peu les différentes civilisations, je vais continuer les campagnes tranquilles. Tigre de papier. Oh Fenring. Et voilà. Vous êtes un tigre de papier. Bon, on va aller dans la maison buter l'arquebusier parce que bon, j'ai marre d'attendre qu'ils arrêtent de discuter ces deux-là. Oh là, qu'est-ce? Je suppose que c'est moyen de monter là-haut. Et d'aller buter ce mec-ci. Hein. Ça, c'est fait. Il y a les deux qui discutent toujours là-haut. Ils sont toujours à deux. Mais oui, hein. Tchafiode. Il y a une autre arquebuse, il me semble, par là, pas loin, non? Et il est là. Faut que j'arrive au-dessus de lui. Pas très compliqué. Oh, attention. La patrouille. Une romaine patrouille. À mon avis, tu as kiffé les francs, toi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu t'en sors? Non, pas du tout. Je tâtonne. Ils ont pas l'air super attentifs les deux gars, tu peux pas juste les nier. Si mais je sais pas, je suis en mode j'apprends à me battre et à me positionner. À... Et ici je peux passer, ouais allez, je vais me mettre là-bas. J'arrive par dessus, normalement ça va être un coup mortel. J'ai bien pigé le bazar. Voilà. Ok. Là, c'est fait. Grosse cavalerie et très bon écho. Ça fait envie. Ça fait envie. Tiens, il y a moins d'aller jusque là-bas ou c'est un peu loin? Non. Ah, si, il y a moyen. Non, si, peut-être. Je suis où? Où suis-je? Et pas du tout où je suis atterri. Oula. Lui, il a pas c'est un canon carrément qu'il a, lui. On va essayer d'aller le faire taire, hein, le mot canon.
pas envie de me prendre ça dans la tronche. Poudre à canon noir. Cette substance noire est une forme grossière de poudre à canon. Elle peut servir à améliorer les outils de prothèse avec des explosions et des pouvoirs occultes. Bien qu'extrêmement basique, cette poudre a un grand nombre d'applications possibles. Pas de dégâts de chute apparemment. Non, apparemment. Et donc, qu'importe le jeu FromSoft, Blutch est paumé, il me semble. Oui, je suis un peu paumé, c'est possible. C'est tout à fait possible. Oups, il y a du monde. J'ai pas je sais que c'est un FromSoft donc ça c'est beaucoup demandé, mais un objectif. Je crois qu'il faut que je voie, il faut que je récupère mon maître, hein, donc le gamin, donc il doit être dans le château. Donc il faut que j'aille dans le château. C'est ça l'objectif. Ah, ils sont deux. En fait ils sont que deux, donc je peux en buter un avec un truc sauté et buter l'autre normalement. Voilà. Deux, c'est pas... C'est pas exagéré. Comme l'autre là-bas qui est tout seul. Eh oh. Voilà. Un par un, ça va. Allez hop, je crois que je dois passer par là-bas de toute façon. Et non, Bloodborne, tu l'as fait? Non mais non, parce que Bloodborne c'est une exclue, il faut le faire sur PlayStation. Donc voilà, je ne saurais pas le faire. Je le ferai avec plaisir si un jour j'achète une carte d'acquisition et que je branche une PlayStation. Bah pourquoi pas. Mais c'est pas au programme tout de suite. Tellement déjà de trucs à faire sur PC que pipoter pour streamer une console. Ah ben je crois que je peux aller prendre le point de sauvegarde là gentiment. Hein. Mais pas sûr que j'y ai accès par ici. Si je peux m'accrocher peut-être là-bas en sautant. Oui, ok. Se reposer. On va voir où on est, hein, parce que voyager, on est au mur extérieur escalier. Et si les intermédiaires n'apparaissent pas, enfin si les intermédiaires, enfin je pense que c'est bien le suivant quoi, mais peut-être que j'en ai loupé un et qu'il apparaîtra que si je le trouve, de Vidol. Mais il semblerait que je sois au bon endroit. Il y a un truc à échoper là-bas. Là, ils sont deux, trois, on peut les espionner. Je ne me sens pas en sécurité avec ce gros bâtard attaché juste à côté de nous. J'aimerais mieux ne pas être mis en pièces juste avant que la guerre ne commence. Si les choses tournent mal, on ne pourra compter que sur le feu. Les yeux rouges craignent le feu. C'est ce que le Seigneur a dit dans sa proclamation. La proclamation. Quelle blague. Ashina a vraiment une... Bref, paumé, c'est bien ça. Bah, pas tellement, je dois aller au château, le château est là, quoi. Enfin, paumé. Pas paumé, mais on va pas dire que je suis à l'aise comme à la maison, quoi. Des boulettes. Oups là. Fais du potin, moi. Regarde pas. Alors, l'histoire du rouge qui craigne le feu. Qu'est-ce que quoi? Ça doit être ça, les yeux rouges qui craignent le feu.
Peut-être essayer d'aller sur le... sur l'arbre. Qu'est-ce que je fais? Je le libère? Ou je les bute d'abord? Bon, je vais les buter d'abord, ils sont deux. On va aller voir si c'est un pote ou pas un pote. Oh, enchaîné. A priori, il a pas l'air causant. Non, il a pas l'air causant. Saisies ne peuvent pas être déviées. Une fois saisies, vous ne pouvez éviter de subir d'importants dégâts. Mais si vous sautez ou sprintez, comment on fait pour sprinter? Vous pouvez esquiver les saisies ennemies. Certaines peuvent aussi être esquivées avec un pas d'esquive. A plus L, donc sauter plus le joystick de gauche, sauter dans l'action choisie. Maintenir B et L, c'est sprinter. Ok, on peut sprinter en... là j'ai rien du tout esquivé. Aïe 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 aïe, j'ai mal à cause, j'ai mal pour lui. Ah, c'est le premier boss. Ça va, il a pas l'air, faut le dire vite, mais ça va, il a pas l'air trop méchant. Premier boss, donc ça c'est la fin du tuto. Bah ouais, il semblerait. Hein. Il semblerait. Bon, on va s'occuper des deux là. Et quand on maintient B en cours, je peux enfin sprinter, j'ai l'impression d'être dans Rayman. Fenring voit ce que je veux dire. Le pouvoir de courir. Voilà. Bon, mon garçon, à nous deux. Ça présage du bon pour la suite. C'est un peu là, je vais lui taper dessus tant qu'il n'est pas libéré, mais... Aïe aïe aïe, ouille ouille ouille, c'est le décès. Le courage c'est pour les morts. Pas mal comme citation, courage c'est pour les morts. Allez, pouf 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 pouf. Mais enfin, une seconde, je terminais ton pote. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette mécanique de maintenir appuyé pour collecter les pièces après avoir buté du mob. Alors ça, c'est spécialement intéressant. Ah, je crois que je peux faire un truc avec sa... son carcan, avec le grappin à mon avis. Quand je suis là, j'ai l'impression que...
Oui, attends, peut-être que je lui donne une tatane après. Alors, je vais... Et hein ? Donc, tac, tac. Oh non, ça se passait pas ! C'était pas aussi sympa que ce que je ne le pensais. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire des dégâts avec ça. Ouais, c'est pas... Mais c'est quoi cette façon de se battre? C'est la technique de l'homme bourré? Tombe sur moi. Non! Faut pas se faire saisir parce que c'est du one shot, hein. Un jour il va tomber dans le trou. Ou je vais tomber dans le trou. Non! Non! Barre-toi! Allez! Non, pas être greedy Blutch. Un peu d'eau. Voilà. Ah bah le premier boss, ça va. Ça va, ça va. Et il est pas mouru. Il est pas mouru. Il est pas mouru, Lan. C'est vrai qu'il faut les buter deux fois. Connerie. Tu connaissais le con qui a inventé ça. C'est chiant, j'arrive à le grab avec le truc, mais après je lui fais pas tellement de dégâts. Mais non. Non! Aïe aïe aïe, ouh ouh ouh, aïe aïe aïe, ouh ça fait mal. Ouh ça fait très mal. J'ai cru voir un bouton ressuscité au moment de ton décès violent. Oui oui, il y a un bouton ressuscité, mais apparemment quand tu ressuscites, c'est pas bon pour la suite. Ça provoque une espèce de cancer du dragon ou un truc dans le genre. Bref, j'évite de ressusciter. Enfin, je l'ai déjà fait trop de fois et du coup, j'ai eu un truc pas bien qui s'est passé et du coup, j'évite de refaire ça en boucle. Le mec est un catcheur en fait. Oui, il allait dans ce bac un peu comme un catcheur. Hein. Première barre de vie, check. C'est pas fini, mais oui. Le même qui a donné son titre au jeu. Shadow Dice Twice, oui bah oui. Il n'aurait pas un truc qui fait du feu histoire que la discussion entre les deux zigotos n'ait pas servi à rien. Ah, est-ce que j'ai un truc qui fait du feu? Je ne pense même pas. J'ai des shurikens, de l'eau, des boulettes, des poignées de cendre, idole de retour chez soi et des éclats de porcelaine. Pas tellement de trucs qui font du feu. Hein. Ballon mi-bout de richesse, rempli d'eau de la source qui profite d'une bénédiction de richesse. Vous faites exploser le ballon doré en priant. Tous ceux qui sont baignés de son eau gagneront temporairement plus d'argent. On va faire maintenant ça. Non, a priori, j'ai rien qui crame. Mais ça m'énerve de pas pouvoir éviter le premier coup là. On ramasse les pièces. Et c'est reparti. Et c'est fini. Combat le plus court de l'univers. En même temps, le gars, il va pas juste rester là à te regarder tuer son pote. Oui, bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Ah, ça y est, là, j'ai réussi à éviter. Yeah.
Voilà. On ramasse les pièces. Allez. Yep. Aïe aïe aïe. Quand il tape, il fait mal. Hein. Non ! Il m'a eu ? Oui, il m'a eu. Il m'a eu, c'est fini. C'est fini. Ah. I got you, babe. Coup mortel final. Certains ennemis très puissants nécessitent que vous portiez un coup mortel final. Le triangle, c'est pour arriver derrière lui et lui coller 2-3 shots si jamais. Le triangle. Je veux dire, quand je vais avec le grappin, c'est LT. Mais le petit triangle vert, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Là, je ne vois pas de barre de stamina. Ma barre de stamina... non, mais par contre, quand je pars... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Quand je pars, tu vas voir qu'il y a une barre jaune. Je vais essayer de te montrer avec les deux zigotos. Allez, attaque-moi, je vais parer. Bah tu vois, la barre jaune quand elle arrive au bout, donc c'est une barre de garde, mais j'ai pas l'air d'avoir une barre de stamina, effectivement. Allez. Merde. Voilà. Honnêtement, Ninurta disait avant que tu arrives, Fenring, qu'il était plus facile que Dark Souls. Ah d'accord, il est différent. Oh, le grappin, il n'y a pas, mais il y a une barre de posture. Ouais, ça, la barre de posture. Vous voyez, quand elle est à fond, tu perds ta posture et tu te fais toucher. Donc voilà, je disais, pour moi, il n'est pas plus facile. Ni même plus dur, mais il est différent. Il y a des similitudes, mais très différent dans le combat, c'est très différent dans les déplacements. C'est vraiment pas le même jeu. C'est vraiment pas le même jeu. Et c'est pas mal. Voilà, ça change. Allez. Mais non. Je crois que j'ai fait un truc que j'avais jamais fait jusqu'à présent, c'est une attaque chargée, ça fait une espèce d'attaque deathstock. Il n'arrive pas à parer. Comment savoir? Un petit coup d'eau, et on va voir notre ami. Coucou! Mais non, mais... Continuous, je veux faire ça beaucoup trop vite. Hein. Il a l'air effectivement différent. Et c'est idem pour les ennemis, ils ont une posture aussi, tu peux les one-shot quand c'est à fond. Le grid tue, oui, bah oui. Oui, tu as tout à fait raison, le grid tue. Voilà mon maître. L'héritier divin ou l'héritier du sang divin ou quelque chose comme ça. C'est le garçon que je dois aller chercher dans le château. J'ai vu que tu avais posté un peine une seconde. L'absence de stamina est plutôt
permissif du coup quand tu es au combat, pas besoin de gérer le nombre d'attaques que tu peux mettre avant de devoir battre en frappe. Ouais, c'est une façon de voir. Coucou. C'est vrai que le mec, il est... Mais non ! J'étais bloqué par l'escalier, par ce petit escalier, et j'ai pas pensé à sauter. Hé, hey, je suis pas mort ! Voilà qui est étonnant. Ouf. Il fait mal. Hein. Allez, concentre-toi un peu, Blutch. Beaucoup plus action que DS. La rambarde, appelez-moi l'architecte. On se concentre. Il nous donne vraiment beaucoup d'occasions de le tataner. Et on est suffisamment rapide pour pas être devant lui quand il... Ah, c'était un trou. Fallait bien que je meure comme ça. Hein ? Quoi ? On meurt pas ? C'est quoi ce... Ah ! Là, du coup, je suis mort. C'est quoi cette histoire? On tombe dans un trou, on est rip-hop? Il y a le petit bonhomme nuage de Mario qui vient te remettre sur le circuit? Faut que je vérifie ce truc quand même. On dirait oui, Ninurta, bien joué si on meurt. Oui, c'est ça. Oui, le géant t'écrase. Bon, on va essayer un truc, hein, mais c'est juste pour la science. YOLO! Et c'est parti! Je vais bien. Perdu de la vie, non? Et c'est parti! Alors, perdre la vie, je crois. Mais on meurt pas d'une chute. D'un côté, ça évite de mourir de manière frustrante, mais... Curieux comme mécanique. Bon, au moins on le saura. Les chutes ne sont pas mortelles la première fois. Mais c'est vraiment aléatoire hein, pour réussir à l'esquiver. J'ai pas moyen de grab moi. Un petit coup d'eau. Dommage, on les a vraiment pas fait proprement ces deux-là. Et on a trouvé un éclat de porcelaine. Allez. Je sens que ça va venir. Je sens que ça vient. Je sens que ça vient. Aucune armée avant celle-ci n'avait reculé aussi bien.
ni surtout aussi vite. Le... Allez, c'est pas celui-là que je pensais lancer, tiens. Pas grave. J'aime quand même beaucoup cette réplique. Ah ah, j'ai réussi à esquiver. Il ne peut rien contre moi. Voilà, là c'est propre. Bon. C'est annonciateur de bonnes choses, d'un bon combat et de bon augure pour le boss que voici. L'ogre enchaîné. Il n'est plus enchaîné du coup. Je ne suis pas mort! Et il m'a achevé en me balançant dans le vide. Ça va aller. J'espère que vous passez un bon moment. Moi, en tout cas, oui. Allez, on va changer un petit peu. On va essayer de tuer l'autre d'abord. J'ai l'impression que le. Puissant Chapia, il se défend moins bien. C'est d'abord... Mais non. Voilà. Ah, je fais un peu de bruit. Ouais, clairement... Ceux qui n'ont pas de chapeau, ils se battent moins bien. À mon avis, ils ont droit au chapeau après avoir passé la première dan. Bon, ça va, il a pas tellement de vie que ça, on va l'avoir. La grille de tu, je sais, la grille de tu. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est vrai que ça fait très catcheur hein, dans certains de ces mouvements. Notamment quand il saute là et qu'il essaie de m'avoir à deux pieds, c'est vraiment typiquement une technique useless mais spectaculaire. Donc typiquement une technique de catch. Hein, tu te balances sur le sol! Aïe. Pouvoir mourir en boucle, c'est toujours un délice. Mais heureux de vous distraire. Des bas, des hauts. Il y en a partout. Mais des drames. Il y en a surtout. Ici à Nottingham. À chaque fois, je fais du bruit à mort, mais... Ça va, ils n'ont pas l'air... Allez.
crois que ça va aller, mais je vais avoir de l'eau. Hein. Il me faut de l'eau. De l'eau. Allez, il a plus que un tiers de sa première barre de vie. Quand même pas mal de portée avec l'attaque chargée, hein, je crois. En plus, elle fait plus de dégâts. Et maintenant, on the road again. Aïe! Ouille! Le chien a failli s'appeler un dieu blutch! Et c'est fini! C'est fini. Mais petit à petit, on avance. Hein. Ce boss, en vrai, sert uniquement à t'aider à choper les bons réflexes sur le jeu. Bah oui, mais évidemment. Évidemment. C'est ça qu'il faut hein, dans un bon jeu qui se veut difficile, c'est une bonne courbe de difficulté. Apprendre à. Comment j'avais dit tantôt, c'était le mot juste. Apprivoiser le jeu. Une bonne courbe pour apprendre à se faire botter le cul. Je pense pas que je puisse le pousser dans le vide. Hein. C'est très bien. Mais non. Je me demande combien de fois Maisie est morte là-dessus. Ouais, je peux parer certaines de ces attaques. À chaque fois, je renverse ce bol. J'aurais pu parer par exemple.
serpent et de une. Je note, il revient très vite à la vie, hein, très très vite. Pas tellement le temps de... Va me prendre des boulettes. Ça me paraît le bon moment pour prendre des boulettes. Non ! Je ne suis pas mort. Je ne suis pas du tout mort. Je savais ce que je faisais. Ouf! Cette chute a failli s'appeler Adieu Bletch. Pourquoi y'a un mec? Non, mais non! Y'avait un mec à côté de lui, c'est pas du juste. Bon, ça va aller, 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 ça va aller. En fait, la meilleure manière de battre les boss dans ce jeu, c'est de faire tomber leur garde. Non, avec la barre de vie, tu n'en sortiras pas sur certains boss. Mais normalement, je me rappelle que tu as un objet de feu. Je pense que tu l'as mis. Je l'ai peut-être bien mis parce que il me semble que j'ai fait une sorte de shortcut pour arriver là où je suis. Et l'embêtant, c'est que si j'ai besoin de cet objet de feu pour les mecs aux yeux rouges, peut-être que j'allais chercher ça. Donc, peut-être aller... je vais peut-être retourner en arrière. Je pense clairement que je peux l'avoir avec ce que j'ai là, mais si effectivement il y a un objet de feu qui peut me servir pour les yeux rouges plus tard et que je les miss, il vaut mieux que j'aille le rechercher. On va aller par là. Pratique à la musique qui t'explique que ça va, il y a moins de danger. Est-ce qu'il y a des attaques sprintées du coup? Juste trop court. Ouh, mais quel con. Ok. Alors... Toi, tu vas me donner un objet de feu. Mon fils, as-tu vu le jeune maître ? Je ne suis pas votre fils. Je ne suis pas votre fils. Tu recommences encore, Inosuke. Tu crois toujours que je deviens sénile, mais une mère sait reconnaître son fils. Enfin, prends cette cloche. C'est un charme que j'ai fait en pensant au jeune maître.
S'il te plaît, offre-la à Bouddha pour le protéger. Charme de la cloche du jeune seigneur, un charme donné par une vieille femme qui veut que vous l'offriez à Bouddha. Le charme offre à son propriétaire la protection divine de Bouddha, mais la coutume est de l'offrir à Bouddha quand on est déjà le possesseur d'un autre charme. Le sculpteur du temple en ruine sait sûrement comment faire offrande de cet objet, que je lui demanderai. C'était pas ça du coup. Là, ils sont deux. Il faut que j'aille par là. Ils sont trois. On peut pas s'accrocher là. Ah ! Merci. Petit coup d'eau, non ? Essayer de pas prendre le chemin normal, hein, parce que le chemin normal, évidemment, on va se faire voir par toute la milice. Oh non, pas lui. Gros Martia. Il m'a vu. Ah ben, eux tous. Ok, bon, c'est pas grave, je vais courir. Voilà, je vois où je suis. Je vois où je suis. Bah, c'était là où j'étais tantôt. Bah, du coup, j'ai pas pu le louper avant le truc de feu. Avant ça, j'ai quasiment tout fait, il me semble. On va de toute façon retourner au sculpteur. Offrir la clochette. Ok, voyager au temple en ruine. Mais moi j'ai quand même l'impression que je peux vaincre ce type là sans feu. Elle est plus là, Emma. Ah, où elle est là? Elle est là. Qu'y a-t-il? On dirait que ton sens du combat est revenu. Tu es un peu plus shinobi qu'avant, mais pas énormément. Prends ça. Texte ésotérique shinobi. Un livre de secrets qui détaille diverses techniques employées par les shinobi. Permet d'apprendre des compétences de l'art des shinobi. À mon avis, il y a un truc de feu dedans. Là se trouvent les secrets les plus enfouis de l'art des shinobi, comme les attaques aériennes et les techniques de furtivité. Les samouraïs ne pratiquent pas ces mouvements. Qu'est-ce que c'est ? Des techniques de shinobi. Ce sont des techniques de combat qui ne peuvent pas être exécutées par des samouraïs. À toi de voir si tu les utilises ou pas. Les shinobi ne sont pas les seuls à avoir leurs propres techniques de combat. Ok. Compétences. Posséder le texte ésotérique d'un style de combat permet d'en acquérir les compétences dans le menu compétences de l'idole du sculpteur. Chaque ennemi vaincu rapporte de l'expérience. Dès que vous avez assez de points de compétences, vous pouvez les dépenser pour déverrouiller des compétences. Vous aussi apprendre des compétences en trouvant des objets ou en battant des ennemis. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, je n'avais pas vu que tu étais là. Le sculpteur tousse du sang. J'ai pris un échantillon de son sang pour mes recherches sur la peste du dragon. Un échantillon de son sang ? Oui, du sang qu'il a craché. La couleur du sang lui-même semble souillée, stagnante. Mais le sang du sculpteur ne suffira pas à parvenir à des conclusions. Puis-je faire quelque chose pour aider ? Tous ? Oui.
Apporte-moi des échantillons de sang crachés par d'autres qui souffrent de la peste du dragon. Si j'en ai davantage, je pourrai en apprendre plus sur la maladie. Si je tombe sur quelqu'un qui a la peste du dragon, je lui demanderai. Merci. On a toujours pas de graines de gourde, hein, ok. Au revoir. Alors, au niveau des compétences, est-ce qu'on a déjà passé ne serait-ce qu'un niveau ? J'ai pas fait gaffe. Alors, acquérir des compétences. Améliorer les caractéristiques physiques. Vous n'avez pas les 4 perles de chapelet nécessaires. Ok. Acquérir des compétences. Acquérir des compétences. Vous pouvez acquérir de nouvelles compétences en dépensant des points de compétences dans le menu des compétences. Les textes ésotériques permettent d'apprendre de nouveaux styles de combat. Il y a 3 types de compétences. Les arts de combat, les arts martiaux du shinobi et compétences passives. Vous devez équiper les arts du combat tandis que les arts martiaux du shinobi et les compétences passives sont toujours activés une fois acquis. Alors, j'ai le choix entre 2 trucs. C'est un peu faible. Là, ça coûte 2 points, donc je peux pas. Là, c'est quoi ? Taillade tourbillon. Acquiert l'art du combat, donc c'est un truc actif, un truc équipable. Taillade tourbillon, une technique permettant de frapper plusieurs ennemis d'un coup. Ouais. Cette taillade tourbillonnante peut facilement frapper plusieurs ennemis et infliger des dégâts, même en cas de garde. Une technique de shinobi parfaite pour s'extraire d'un encerclement d'ennemis. C'est pas mal, donc ça peut servir. Et on n'a aucune info sur le reste de l'arbre pour savoir quoi... De toute façon, ça, à mon avis, c'est balèze. Et pour avoir ça, il faut avoir les 2 arbres à tous les coups. Soit chacun des 2 arbres y mène, soit pour le déverrouiller, il faut qu'on ait fait les 2 chemins. C'est plus probable. Et ça, ce sera quand j'aurai 2 points de compétence. J'en ai qu'un seul. L'art martial du shinobi. Ah bah c'est 2 armes martiales. Non, ça c'est passif. Contre Mikiri. Permet de contrer un coup d'estoc ennemi en écrasant la lame avec le pied. Qui inflige de lourds dégâts de posture. Presque impossible de percevoir la vitesse d'un estoc, sauf si on a les yeux de shinobi. Ben, je vais dépenser mon point hein, pour l'attaque tourbillonnante. Ok. Et du coup, art du combat. Les attaques spéciales liées à certains styles de combat sont des arts du combat. Vous devez les équipés dans le menu équipement, vous pouvez les apprendre dans le menu compétences ou les textes ésotériques. J'ai pas utilisé les textes ésotériques, je crois. Menu équipement, ok. Donc, outils de prothèse, art du combat. Voilà, taillade tourbillon. Ok. Et comment je fais pour la. Ah, utiliser l'art du combat équipé, c'est LB plus. Ok. Oh, c'est classe! Nickel, ok. Non. Ok. Ça, c'est fait. Maintenant, le machin ésotérique... J'avais pas un livre... Acquérir des compétences. Pas très bien compris. Il y a un livre que je dois lire. Ou alors le livre, je l'ai déjà donné au mec et ça m'a donné accès à ça. Ils ont dit que je pouvais acquérir des compétences grâce au. Grâce au. Au truc là, au bouquin ou je sais pas quoi. Voilà bien. Je vais me casser la tête. Ah, objet clé. Objet rapide, objet clé. Matériaux d'amélioration, outils de prothèse. Objet clé. Ah, ça. Texte ésotérique shinobi. Un livre de secrets qui détaille diverses techniques employées par les shinobi. Permet d'apprendre des compétences de l'art des shinobi. Ok. Donc, ça, je l'ai. Donc, maintenant, j'ai accès à l'arbre. Ok. Ok. J'ai compris. On va voyager, hein, voyage. Et on va aller faire sa fête au boss. Hein.
s'il me faut un truc de feu, ben, je verrai bien si... Ah, j'ai pas renversé la casserole cette fois. Est-ce un signe? Peut-être. Oui, j'ai fait ma nouvelle technique de tourniboulis alors qu'il était tout seul, j'avais envie d'essayer. Ça lui fait mal ce machin. Ah, moi ça m'a fait mal en tout cas. Je peux le faire en boucle ? Faut que je fasse gaffe moi. Ouais, faut que je fasse gaffe et que je boive de l'eau. Première vie, c'est fait. Le grid tue. Oh, et voilà. Voilà. Ça c'est fait. Perle de chapelet. Je sais pas combien j'en ai. Médecine de Shinobi rang 1 améliore l'effet des objets de récupération. Les connaissances médicinales sont vitales pour la survie d'un Shinobi car on n'échappe pas aux blessures de combat. Le seul moyen d'apprendre de telles techniques consiste à être gravement blessé. Encore et encore par des adversaires dignes de valeur. Et il a même pas de sous sur lui. Qui aurait cru qu'un ogre n'avait pas de sous sur lui. Perle de chapelet, j'aimerais bien savoir combien j'en ai. C'est dans objet rapide, non, c'est dans objet clé. Perle de chapelet, 2. Quand j'en aurai 4 que je pourrais être plus balèze. La montée de niveau est vraiment... En fonction de là où on est en fait. Hein. On peut pas les. On peut pas les farmer les perles de chapelet. Longue vue des engoulevents. Quand je vois à quoi elle ressemble, la longue vue. Il y a un roseau avec un trou dedans. Un tube de bambou permettant de voir des objets à distance. Les shinobi ont une bonne vue, mais ce tube leur permet de voir encore plus loin. Le clan des engoulevents est au service d'Ishin Ashina. Des hommes patrouillent sur les toits du château Ashina, d'où ils exercent leur autorité sur les envahisseurs étrangers. Peu de choses leur échappent. N'ouvre pas de ce côté.
du monde. Reine de gourde. Ça vaut peut-être la peine d'aller... Surtout que le boss, à mon avis... il va pas revenir. Donc si j'allais donner la graine de gourde et récupérer par la même un peu d'eau. Ça pourrait pas être une bête idée, je crois. Tac-tac, voyager, lieu important, temple en ruine. Voilà, petit à petit, on avance. J'ai une graine de gourde. Je suis contente que tu sois venu, Lou. Et voilà, je suis à 3 utilisations du coup. Pourquoi j'en ai que 2? Je comprends pas. Peut-être si je me repose. Ah, et voilà. Là, j'en ai 3. Voyager. Œil de la nuit. Lou dispose de la capacité de bien voir dans le noir. Cette capacité s'active automatiquement, blablabla. C'était une erreur. Bon. Du mec là-bas. Il y a un pote. Vous rencontrez face à face. Salut Zidane. Ah oui, rue Morpheline. Mais non. Ils ont cancel ma technique. Bon ben voilà. Zidane, passage éclair, tu auras quand même droit à une mort. Merci pour le passage sur le stream. J'ai battu le premier boss. Enfin, le boss du tuto, quoi. Essence de peste, bonne, effrayée. Une toux douloureuse retentit quelque part. La personne qui tousse est une femme âgée, qui inquiète pour son maître. Posséder cet objet réduit les chances de profiter de l'aide divine. Aide divine. Plus il y a de victimes de la peste du dragon. Okay. Si le doubleur de Robin des Bois se doutait que ce son serait autant utilisé. Pour info, j'ai eu l'air con avec l'électricien. Ah bon, bah tu m'expliqueras. Toujours à ce boss, t'as trouvé le feu. Alors j'ai pas trouvé le feu et j'ai tué le boss. La lampe dehors, l'ampoule est juste grillée. Ah. Eh bien, faudrait aller en acheter une, on va regarder ce que c'est. J'en prendrai une au bricot quand je passerai au Colruyt, sans doute demain, pour prendre des caisses, tout ça. Lampe de dehors, l'ampoule est... Nurta, rejoins-nous sur New World. Ah, j'ai pas aimé, dit-il.
Et non, j'ai pas trouvé le feu. Mais Ninurta, t'es sûr que le feu, je devais le trouver avant ce boss? Calme. Ouh là là, ils sont mille hein. Ils sont mille. Il faut être plus discret. The flame vent can be acquired. Je sais pas dire acquired en vrai. Acquired very early on the second. Donc le truc que je cherche peut être acquis très tôt. By heading to the Hirata Estate. By heading to the Hirata Estate. Je comprends pas ce que ça veut dire. Par heading. Avec la tête. To the Hirata Estate. À l'état de Hirata. Demain. To get there, pour aller là, je sais pas où, mais apparemment dans Hirata Estate, pour aller là, you must gain the young lord's bell charmed from the old woman. Ça j'ai fait. J'ai eu le jeune seigneur, la cloche, le charme de la cloche du jeune seigneur, la cloche du charme du jeune seigneur, ouais. De la vieille femme dans les alentours de Syrah. Ensuite, je dois l'offrir au Bouddha. Ah, bah, c'est ce que j'allais faire. Dans le Dilapidated Temple. Temple en ruine. Je crois que c'est le premier temple dilapidé. La première zone. Once inside the estate. Quand je suis dans le. L'estate. Je sais pas ce que c'est, l'estate. Head forward past the second idol there. Continue tout droit et je passe le second idol là. And make your way right. Et continue ton chemin. Comme il faut, ou à droite. Through some building. Donc on continue le chemin selon les bâtiments. You will come to an area rather quickly with many bandits near a bonfire. Loot the flame vent from the bonfire and give it to the sculptor. C'est pas là, c'est pas justement l'endroit où je vais là. Oups. En allant, ça veut dire heading. By heading, ça veut dire en allant. Merci beaucoup. Très très mauvais en anglais. Normalement, tu l'as déjà avant le boss, ok. Mais il faut que j'aille au Bouddha en fait. Je dois aller au temple en ruine et aller donner le truc que j'ai chopé au Bouddha. Donc, il n'y a pas un Bouddha ici à qui je peux offrir. Peut-être à l'intérieur. Ah, je donne la clochette que la dame m'a filée. Ferme les yeux. Écoute parler la cloche. D'école, je te laisse écouter la cloche. A remué tes pensées. Merci, Dylan. Et faire ressurgir les anciens souvenirs de leur torpeur. A plus, Dylan. Merci beaucoup d'être passé.
Il y a 3 ans. Ah, c'est du gameplay il y a 3 ans. Des boulettes. Idole du sculpteur trouvé. Je veux dire qu'il y a du gameplay dans le passé. Domaine Hirata. Ah, bah c'est ça, c'est ici. Et là, il y a le bonfire. C'est ici, c'est au domaine Hirata que je vais avoir le feu. Ouais, mais il y a 3 ans, j'avais pas la... J'avais pas le... Le lance-câble, là. Donc c'est pas des souvenirs de moi, c'est... C'est... bizarre. Tu es... le fils de la chouette. En quelle année sommes-nous? Quelle année? Quelle étrange question. Réponds-moi. C'est l'année du pèlerinage de la source du dragon. Le pèlerinage de la source du dragon. C'était il y a 3 ans. Qu'est-ce que c'est? Le sculpteur parlait d'un vieux souvenir. Je ne me souviens de rien de tout ça. Mais ça semble appartenir au passé. Que s'est-il passé? Des voleurs. Merci beaucoup, Ninurta, de m'avoir remis sur le droit chemin. Hirata. Il faut faire vite. L'héritier divin. Bon, on va essayer de... De pas s'en choper deux à la fois. En tout cas, ça fait plaisir, ils ont enfin compris que c'était sympa d'être de la musique. L'ambiance dans les niveaux et pas que au boss. Bah, ça t'aurait facilité la vie. Ouais, mais écoute, je suis. Très content d'être. D'être sur une bonne lancée. Je vais sûrement encore louper des trucs, mais. Poudre pare-feu, un remède pour soigner les brûlures. On va essayer d'attendre qu'ils viennent un peu comme ça, ses potes vont pas aller l'aider. Dommage que Maisie soit sans doute pas dispo parce que je suis sûr qu'elle prendrait plaisir à... À voir comment je galère là où elle a galéré aussi. Oh, oh là là, il fait mal, hein. Oui, il fait super mal. Jamais qu'un mec en slip. C'est vrai. C'est vrai que c'est jamais qu'un mec en slip. Wheel. Bon, les loups, ça va. En fait, faut éviter leur premier saut. Et ça va. Pour deuxième saut. Voilà. Bon. Encore des renforts.
Est-ce que je me repose? Ouais, allez. Ah, je crois que je me souviens... je crois que j'ai vu Maisy ici. Allez, retourne-toi. Merci. Ah, il m'a vu. Avec son arc. Ça va être... Avec les deux archers, ça va être chiant. Merde. Ah. Dommage. J'ai pas compris comment ils sont morts, ces loulous. J'ai l'impression qu'il est tout seul l'archer maintenant. Ah non, il y a un mec là. Il m'a vu. Cendre. Ne sauve pas de ce côté. Je crois que c'est là qu'il faut que j'aille. La vie, c'est plus simple si j'en tue au moins un. Ok, bah ça se passe pas trop mal. Des boulettes. Oh, t'avais pas vu toi. Un archer au bout. Poignée de cendre. Ah, il m'a vu.
Merde. Et il y a des loups en plus. Bon, c'est ici qu'il faut que j'aille, c'est ici qu'il y a le feu. J'ai plus de d'eau. Bon, il me reste les boulettes. Les boulettes. Aïe. Bon, lui, je vais le flinguer. J'ai pris le tube de flamme. Ok. Ouf. Coucou, je viens voir un shinobi mourir. Ah bah ouais, t'es au bon endroit. T'es au bon endroit. Je ne l'ai pas vu. Bon, il est où le dernier? Il est là. Voilà. Il y en a encore un. Cette fois, ça y est, je crois. On a un peu de boulettes. En fait, ils étaient 2000 ici, hein. Bon, le truc que j'ai trouvé dans le feu, là. Où je vois... Eh, ça fait vraiment pause, la pause, en fait. Inventaire. Objet clé. Non, matériaux d'amélioration. Tube de flamme. Tube de flamme. Un canon en acier qui crache du feu. Il peut être inséré dans une prothèse de shinobi pour devenir un outil de prothèse. Ok, c'est ça. Un seul homme aura du mal à affronter les yeux rouges. Une âme capable de cracher des flammes pourrait l'y aider. Et on dit qu'ils craignent le feu plus que toute autre chose. Voilà, j'ai enfin l'arme dont tu me parlais tout à l'heure, Nilurta. Sur ce, je reviens, je fais une rapide pause bio, j'arrive.
Merci pour le GG, Nilurta. Ok, j'ai donc le tube de flamme. Vous, satané bâtard. Vous êtes le shinobi, n'est-ce pas? Prenez la hache des shinobi dans le temple et fracassez-leur le crâne. Ah, si, il y aurait quand même plusieurs armes. Ouais, choper la hache des shinobi. Hey, ouvrez! Ouvrez ou gare à vous! Je peux vous entendre à l'intérieur. Je sais qu'il y a quelqu'un. Si vous vous rendez pas maintenant, vous allez le regretter. Hey, vous m'entendez? Hey! Je crois que c'est un gentil, lui. Ah, seigneur! Vous êtes un pilleur aussi? Mon bon seigneur, vous ressemblez à un shinobi. Vous cherchez quelque chose? Eh bien, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé cet endroit en premier. Gardez les yeux bien ouverts, hein? Ah, au fait! Alors que je venais ici, j'ai vu une pagode à 3 étages en haut d'une falaise. Une jolie pagode. Vraiment jolie. Je parie qu'on pourrait y trouver des trésors. C'est obligé. Il est en slip, il doit être méchant. C'est ce que j'en pense, en tout cas. La statue est recouverte, une figurine de Bouddha, enveloppée de tissu rouge, tenue à la main. En priant, elle rend une charge de pouvoir de résurrection. Une figurine enveloppée de messages de sympathie. Ô toi que nous enveloppons de cette couverture, gage que de notre amour, puisses-tu vivre en paix et en bonne santé. Bah, c'est sympa, sauf que je ne joue plus du tout avec la résurrection, donc... Mais bon, ne dis jamais, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Peut-être que... Un jour, je serai très content de l'avoir, ce pouvoir de résurrection. Ils sont nombreux, hein. Peut-être que je peux essayer un truc, pour une fois. Éclat de porcelaine. Il n'en a rien eu à faire. Peut-être qu'il vient plus près, ouais. Non. Comment on fait avec ce bouclier? Peut-être qu'il faut attendre qu'ils nous tapent et on les part. Ouais, on vient sur le côté.
Ouf. Ouh, ça c'était vilain. Ouh, que c'était vilain. Ouh, c'était très vilain. Comme combat, je veux dire. Hein. J'étais très nul. Je vois l'heure qui passe et je vais pas tarder à devoir vous laisser, malheureusement. Domaine Irata. C'est de l'avoir tout seul. T'en fous, hein. Commence à être un peu mieux. On peut pas ouvrir ici. On va passer tout le petit village, on va aller directement là où ça nous intéresse. Et enfin. Aïe. Ah, les loups venaient d'ici. Mais laisse-moi passer, trou de balle. Voilà. Attendre qu'il soit plus sur le qui-vive pour la voir. Voilà. Merde, il y a son pote qui va me voir. Est-ce que ce serait là la hache des shinobi? Hache du shinobi. Hache du shinobi du singe. Lourde hache noire en acier utilisée par les shinobi dans la prothèse de shinobi pour devenir un outil de prothèse. En raison de son poids, cette hache est bien plus utile pour briser des choses que pour les trancher. Autrefois très appréciée par le shinobi du singe de la vallée engloutie, mais il l'a perdit en même temps que son bras gauche. C'est cool! On a la hache, on a le truc de feu. On est bien là. On est bien. Bon après il faut retourner voir l'autre pour équiper tout ça. Petite bourse. Et maintenant, il y a des coques là-bas. J'oublie toujours que j'ai pas un double saut, mais que je peux faire un wall jump sur les murs.
Qu'est-ce que je fais? Je bousille les coques. Pardon. En même temps, vu la taille des bestiaux, c'est des autruches. Il y en a combien? En même temps, on m'appelle le loup, hein. Sucre d'ongo. J'en ai déjà un, mais je ne l'utilise pas. Je vous avoue que je ne sais pas s'il reste des trucs à faire dans cette zone avant de retourner voir le sculpteur. Les boulettes. Ouvrir la porte. Quelle porte? Ah bah tout en haut, j'imagine. Mais non, quel crétin je fais des fois. Bois un petit peu d'eau, histoire de pas faire de bêtises avec lui. Voilà. Derrière pour le raccourci. Derrière quoi? Derrière cette porte-ci? En bas. Non, je dois y aller. Je redescends la rue alors. Il y a un chasseur de shinobi parmi les bandits. Pas de l'endroit où il y avait les coques, on ne sait plus. Je vais essayer de voir. Je ne l'affronte pas. Je l'interdis. Vous n'êtes pas en condition. Ok, donc je retourne en arrière. C'est pas là où il y avait les coques? Je crois que c'est ici où il y avait les coques. Non. Chercher des cadavres de coq. Ah ben voilà. Et ça c'est le raccourci du coup. Oui parce qu'on était passé par la fissure tantôt, ok. D'accord. Merci beaucoup, Ninurta. Que ferais-je sans toi? Un petit coup d'eau, parce que boire de l'eau, c'est important. Ah, ça. Alors, là, il y a les deux boucliers man, hein, c'est ça. Je suis mort la dernière fois. Ouais, j'aurais dû buter le mec avec la torche. Ah bah, je peux le buter maintenant. Il n'a pas un sens de la survie hyper développé, hein, ce monsieur. Parfois, on pourrait dire ça de moi aussi, je le concède. Ouf. Son chaud est sûrement moyen de les avoir. Mais non. Ouais, j'ai plus d'eau. Encore des boulettes, mais je viens de débloquer un raccourci, je veux pas manger des boulettes maintenant. Le gros coup ne fait rien à leur bouclier. Je peux faire une esquive rapide et... Voilà, il faut que j'attende qu'il attaque et parer, en fait, c'est pas compliqué.
Allez, attaquez-moi. Attaquez-moi. Allez, attaquez-moi. Mais non, pas avec le bouclier. Ah, je suis mort. La hache, mais oui. Ouais, en fait, il faut que je retourne auprès du mec pour qu'il mette la hache, le lance-flamme, etc., etc. Mais ça fait sens, évidemment. Ça fait sens, crétinus que je suis. Compte 5h moins quart, ouais. Je vais retourner pour pas oublier de le faire, mais après, je crois que je vais devoir arrêter le stream ici. J'espère que ça vous aura plu pour ceux qui sont passés. Merci beaucoup, d'ailleurs. Lieu important, temple en ruine. On est content que ça plaise. Allez, on va aller se faire greffer un lance-flamme et une hache. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la peste du dragon. La stagnation se répand partout. Une maladie qui conduit à la mort. De quoi parlez-vous? Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Tu vois, je ne suis pas normal. J'ai du mal à parler. Maintenant, demande le reste à Emma. Ouais, mais Ah, d'accord, c'est quand même lui qui va m'améliorer la prothèse. Allez, on va faire l'expulsion de flamme. Et la hache. Voilà. La prothèse de Shinobi. Apparemment, tu t'y es bien fait. Tiens, voilà pour toi. Texte ésotérique prothèse, un livre de secrets qui détaille diverses techniques à utiliser avec la prothèse du shinobi. Ça permet d'apprendre les compétences de prothèse, écrit par un homme qui a abandonné la voie des shinobi, mais a continué ses recherches. Ne pensez pas transmettre à jour ses découvertes. Qu'est-ce que c'est ? Cela contient des méthodes pour mordre dans tes ennemis avec le croc que tu possèdes. En d'autres termes, des techniques de combat pour ta prothèse. Je vois. Je ne pensais pas que des techniques de prothèse seraient de nouveau utiles un jour. Mais j'avais tort. Allez. Faire défiler outils de prothèse. On peut en mettre 3, si on met un poisson, on en a 3. Donc la hache, la flamme et les shurikens. Sauf que à chaque fois, ça va... Les flammes, je suppose, le shuriken aussi, mais la hache, ça va quand même pas... Oui, ça c'était très malin. La hache, ça ne va quand même pas... Ah non, c'est Y qui a fait défiler. La hache, ça ne va quand même pas consommer des machins, si. Attends. Oh, ça marche pas. Ah, voilà. Ça a consommé des trucs. Merde, ça consomme des... Comment ça s'appelle, du coup ? Qui est en bas à droite là, 13 sur 15. Okay. Bon, je découvrirai tout ça la prochaine fois. En attendant, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi le stream. Je vais arrêter ici le jeu pour la partie. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin d'après-midi. On se retrouve très vite. J'espère très rapidement, dans un avenir plus ou moins proche, vous annoncer les dates de la Battle Stream of Doom avec Maisy. Le premier rendez-vous sera un Just Chatting avec elle et moi, où on vous invitera à nous proposer des jeux sur lesquels nous allons nous affronter. Donc, je rappelle les règles établies par Fenring, 2 jeux que je lui impose, 2 jeux qu'elle m'impose, 3 jeux imposés par le chat. On pensait faire voter mon chat, faire voter son chat et prendre le jeu qui ressort le plus dans les deux et faire un pêle-mêle des deux chats pour le dernier jeu. AE4, à mon avis, ce ne sera pas le cas. Moi, je ne l'ai pas défié. J'annonce déjà que les deux jeux sur lesquels je défie, ce n'est pas des STR. Parce que sur des STR, ça ne va pas être très intéressant. Moi, contre Maisy, je vais juste l'écraser. Non pas qu'elle soit mauvaise ou que je sois très très bon, mais l'écart est suffisamment grand
dans ce style de jeu pour que ce soit pas intéressant à regarder. Mais quand elle joue à John Pyre, elle met les maisons bien droites pour faire une jolie base. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'à John Pyre 4, elle ne l'a pas, et je ne vais pas lui faire dépenser 60 boules pour ça. Mais au pire, il y avait à John Pyre 2, bien sûr, ou Age of Mythology, j'ai pensé à Red Alert, j'ai pensé à plein de trucs. Finalement, j'ai décidé des deux jeux sur lesquels j'allais la défier. Vous allez voir, ça va être sympa. Je ne sais pas encore sur quel jeu elle va me défier. J'ai entendu parler de LOL. Elle m'a parlé, il me semble qu'elle m'a parlé qu'il y aurait peut-être LOL. Moi, en tout cas, dans un des deux jeux, c'est du pur duel. Dans l'autre jeu, j'aurais besoin d'une équipe. C'est-à-dire que ça va sûrement être du 4 contre 4, 5 contre 5. Et on va devoir recruter, Maisy comme moi, notre équipe. Et puis après, il y aura un deuxième stream où on va faire évidemment les matchs. Donc voilà, j'espère vous tenir au courant très très vite pour cet événement. 1€ avec le Game Pass, c'est vrai. C'est vrai qu'il a 1€ avec le Game Pass, Age of Empires 4. Allez, sur ces bonnes paroles, que ça aille bien les gars, des bisous, à bientôt. Tchuss.